Alors attends, je viens de capter un truc. La France a été condamnée pour inaction climatique pour la période de 2015 à 2018. Mais depuis 2019, on est bon. Et en fait, si on est bon, c'est juste parce qu'ils ont revu les exigences à la baisse. Un peu comme les années où il y a eu trop de mauvaises notes au bac. Ils rajoutent un point ou deux pour avoir la moyenne, et comme ça, on a bon. C'est une technique pédagogique. Alors est-ce que ça marche? Pour 2023, on a déjà cramé les ressources de l'année en 4 mois. Bon, bah comme disait mon prof d'SVT au troisième trimestre, là les enfants, c'est plus des efforts qu'il faut faire. C'est une prière. Alors lundi dernier, c'était la journée mondiale de l'environnement. Donc on respecte l'environnement un jour par an. Comme le droit des femmes, nickel. Et il n'y aura pas un jour de plus. Gabriel Attal, il a dit, on ne peut pas se permettre de financer la transition écologique. La priorité, c'est le désendettement de notre pays. Non, c'est pas con. Pas de transition écologique. Plus de planète. Et plus de planète. Plus de dette. Après, je suis pas si inquiet que ça pour la planète. Ah bah, elle va continuer sa petite vie de planète. Mais c'est pour nous dessus que ça va être compliqué. Parce qu'apparemment, on va bientôt manquer d'eau. Donc dans pas longtemps, l'eau, ça va devenir un produit de luxe. Et tu lui as offert quoi, Philippe, à son anniversaire? Une bouteille de Volvic, pourquoi? Waouh, la chance. J'ai pris un McDonald's. Ah, quand même. Après, peut-être qu'il faudrait qu'on arrête de yèche dans de l'eau potable aussi. Non mais c'est vrai, on n'aurait pas l'idée de le faire dans un morito.